Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram par quoi j'ai commencé pour trouver l'amour de moi. Donc ça va être peut-être une série de plusieurs petites vidéos, mais je vais commencer par l'une des plus importantes pour moi et par là où j'ai commencé, à savoir faire la paix avec mon passé. Donc, faire la paix avec mon passé, ça se découpe en plusieurs parties. Le but de cette vidéo est de vous donner des pistes, les clés, pour avoir un premier jet sur comment faire la paix avec votre passé. Ça veut dire accepter. Ça veut dire ne plus vous juger et comprendre que certaines choses ont été faites. Ok, bah maintenant on est le moment présent, je ne pourrai pas changer le passé. On a tous vécu ou fait des choses qui nous rendent tristes. On a peut-être été méchant envers certaines personnes. On a peut-être fait des choses qui aujourd'hui nous dégoûtent ou pour lesquelles on a du regret, des regrets. Ça, il faut que vous vous les pardonniez. Il faut vous pardonner d'avoir fait telle ou telle chose. C'est votre passé. Ça fait partie de votre histoire. Et c'est pour ça que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Peut-être que sans ces épreuves ou sans ces façons d'agir, vous n'aurez pas cette réflexion aujourd'hui de vouloir vous développer, de vouloir vous épanouir, d'aller vers la paix. Moi, par exemple, dans ma jeunesse, parfois, il y a des choix au jour d'aujourd'hui, je n'aurais pas fait. Il y a des choix que je regrettais. Mais je me suis dit, ok, Marie, alors, tu as le choix entre continuer de ressasser ces décisions dans ta tête et d'avoir des regrets. Mais alors, quand bien même, tu ne pourras pas les changer. C'est comme ça, c'est un fait, c'est établi, mon passé, c'est mon passé. Ou tu as le choix de dire ok, ça c'était mon ancienne moi, dans mon passé, à l'instant T, ça me semblait la meilleure décision, j'ai voulu agir comme ça, j'avais d'autres valeurs, j'avais une autre façon de penser que je ne suis plus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je vais reproduire les mêmes erreurs. Faut bien que vous compreniez ça. Toute personne, si elle en a la volonté, il faut que ça vienne d'elle, il faut que ça vienne de l'intérieur, peut changer. Donc première étape, je pardonne à mon moi passé. Vous vous pardonnez pour les décisions, ce que vous avez pu faire de mal, dire de mal, les choix de vie que vous avez faits pour lesquels vous ressentez du regret. Vous vous pardonnez. Moi, la méthode la plus efficace que j'ai faite, c'est que je me suis écrit une lettre à mon ancienne moi pour me pardonner, pour dire que je comprends tes choix, je comprends tes décisions. À l'instant T, ça te semblait les meilleures décisions. C'est vrai, à chaque fois, on pense, quand on prend une décision, on ne prend pas une décision en se disant ça va être une mauvaise décision. Quand on fait un choix ou qu'on agit, pour nous, à l'instant T, selon les conditions, ça nous semble la meilleure décision, ça nous semble logique. Même si parfois on agit selon nos émotions, c'est nous qui faisons le choix d'agir comme ça. Deuxième chose, pardonner aux autres. Il faut pardonner aux autres pour le mal qu'ils vous ont fait. Alors ça ne veut pas dire reprendre contact avec eux et être de nouveau cul et chemise comme ça, voilà. Ça veut dire tout simplement que vous acceptez que vos valeurs sont différentes. Et que comme vous, avec votre vous passé, vous avez agi comme vous pensiez bien faire, ben eux ont agi en fonction de leurs valeurs à eux, en fonction de leur façon de penser et dans leurs intérêts. Certes, il y aura toujours des gens qui font du mal volontairement, mais là n'est pas la question. Vous devez pardonner ces personnes, pourquoi? Parce qu'en les pardonnant, vous
tromper l'emprise qu'ils ont sur vous. Moi, récemment, j'ai pardonné à deux personnes parce que elles m'avaient fait du mal et je remarquais que j'étais énervée parce que je ne comprenais pas les choix de cette personne, pourquoi elle avait réagi comme ça. Et je me suis posée et je me suis dit, ok, bah, c'est que ça devait être ainsi et que la personne a agi en fonction de ses intérêts, en fonction de ses valeurs, de son éducation, de ses croyances, qui ne sont pas les miennes. Et donc de là, notre chemin s'est séparé et c'est pour ça que cette personne m'a déçue. Et je lui ai pardonné pour me libérer de l'emprise qu'elle avait sur moi. Parce que ça me... Quand maintenant vous perdez une amie ou un ami ou je ne sais pas, quelqu'un dans votre vie qui s'éloigne ou vous perdez contact ou il y a une grosse dispute, on va pas se mentir, les jours qui suivent, surtout si vous n'êtes pas, vous ne pensez pas être l'initiateur de cette dispute, enfin vous pensez être tout blanc dans l'histoire, vous ne comprenez pas, vous vous questionnez, vous avez des remords, vous êtes triste. Et en pardonnant à cette personne pour le mal qu'elle vous a fait, eh ben, ça libère votre mental d'une grosse charge. C'est comme si, ok, je mets. Et moi, par exemple, pour ce cas, alors ça m'est arrivé pour deux personnes, j'ai écrit sur papier que je l'ai pardonné, qu'ils ont agi selon leur intérêt, voilà, etc. Et à la fin de la lettre, j'ai dit que je l'ai pardonné et que je me libérais de leur emprise. Et ensuite, j'ai brûlé les deux lettres. Et je peux vous dire que depuis, je ne pense plus du tout à ces personnes. Et que je n'ai plus aucun... comment dire? Je ne leur en veux plus. Parce que c'est que nos chemins devaient se séparer et c'est que nos valeurs n'étaient pas du tout en accord et que notre vision non plus. Et troisièmement, c'est faire le tri dans votre passé physique. Alors, ce que j'entends par passé physique, c'est faire le tri dans vos objets, dans vos vêtements que vous avez depuis quelques années ou quelques mois et qui vous rattachent à des moments douloureux ou à des périodes douloureuses de votre vie. Il faut que vous compreniez que ce n'est pas bon pour vous de garder des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que ben, déjà, vous allez voir la personne qui vous a fait du mal. Donc ça va à chaque fois vous remémorer des souvenirs. Et ensuite, ça marche pour tous les objets. Ça peut être des cadeaux aussi que des personnes qui vous ont fait du mal vous ont offert. Même si sur le moment quand elle vous a offert le cadeau, tout allait bien. Et qu'après, ben, ça n'allait plus. Libérez-vous, donnez-les, vendez-les. Séparez-vous de ces objets parce que chaque objet possède de l'énergie, des vibrations. Et à partir du moment où cet objet vous fait penser ou rattache à quelqu'un, et ben elle est imprégnée de l'énergie et des émotions. Les objets s'imprègnent de l'énergie et de l'émotion. Pour cette première étape, faire la paix avec son passé, il faut que vous fassiez la paix avec vous-même, que vous vous pardonniez. Ensuite, faire la paix avec les autres qui vous ont fait du mal, leur pardonner également. Et dernièrement, il faut faire le tri dans ces objets passés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous a permis d'avoir les premières pistes pour les étapes vers l'amour de soi. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Quelles sont vos astuces à vous pour faire la paix avec votre passé. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt.